particulière, celle d'un grand chelem réussi pour le sénateur de l'Illinois qu'il a emporté dans les trois états en jeu hier soir. Après le nul du Super Tuesday, Hillary Clinton et Barack Obama sont désormais au coude à coude et chaque succès est donc l'occasion de marteler un peu plus son message pour afficher sa différence. Vous savez, ce sera plus facile pour moi de faire ce débat avec John McCain que pour la sénatrice Clinton. Elle a supporté la guerre. John McCain ne pourra pas dire que j'ai soutenu la guerre en Irak parce que je ne l'ai pas fait. Nous pouvons afficher un réel contraste sur la politique étrangère dans ces élections et faire bouger les choses. Et c'est pour ça que je veux être le président des États-Unis d'Amérique. Même si elle continue à danser et chanter, Hillary Clinton est peut-être en train de sentir le vent tourner, une situation qui inspire certainement le républicain Mike Huckabee, qui rêve lui aussi de renverser la vapeur après une victoire surprise hier dans le Kansas. Je suis encore dans la course et je n'ai pas l'intention de me contenter d'un second rôle. Il y a peu d'États qui ont voté, 27 ne l'ont pas encore fait. Et dans ces 27 États, les gens méritent plus qu'un sacre, ils méritent une élection. La tâche s'annonce pourtant compliquée pour Mike Huckabee. Son rival John McCain dispose d'une avance très confortable et George Bush vient de lui accorder son soutien à demi-mot, c'est-à-dire en se gardant bien de citer le nom de son ancien rival politique. Les fans de série peuvent se réjouir.